un gros bonsoir pour nous tous et bienvenue dans National Creole nous aujourd'hui en mes différents points qui ont dominé l'actualité. Plusieurs organisations nationales qui ont observé l'élection 25 octobre parmi eux RNDDH à Conan reconnaissent l'élection qui était plus bien organisée par ces législatives à 9 d'août même si il y a quelques cas d'irrégularité pendant la journée. Mission observation électorale Union européenne salue effort KPN et PNH dans le cadre de la journée électorale. D'après mission, c'était une journée électorale calme et puis bien organisée par rapport à 9 d'août passé. Sans tabulation, on a déjà recevoir procès verbal à 5 départements. Processus contagieux a bien déroulé. Directeur Saint-Lan, Widmark Matador, m'a dit tout le monde était calme parce qu'il y a compté bulletin dans la transparence. Ministre économie Wilson Lalo présente jeudi un programme qui relie agro-business. Il y a 1,2 milliard de gourdes disponibles pour financer le projet. Le programme ça visé courir agriculteurs. Nous prenons une pause, nous retournons pour le développement journal. Tous les samedis, à 8h du soir, la rédaction de Télésignal vous livre un résumé complet de l'actualité de la semaine en 56 minutes. L'info autrement, c'est dans 56 minutes synthèse sur Télésignal. Samedi, 8h du soir et reprise dimanche à 10h du matin. Nous venons à proposer pour le développement général. Merci d'escorité branché Télésignal. Elena, une journée électorale calme et puis bien organisée par rapport à 9 d'août passé. D'après constat, observateur mission électorale Union européenne, yo, chef MOEUE, Elena Valenciano, qui a rencontré la presse jeudi, salue effort KPN et PNH. Il a encouragé les candidats à continuer sous même lancée pour favoriser la paix dans le pays. Il était dans le micro, Michel Alexis, à Wendy Henry. Nous déclarons avoir observé une journée électorale calme et globalement bien organisée, dont la participation peine à décoller. Le scrutin du 25 octobre s'est déroulé dans un climat de sérénité notable comparé à la journée du 9 août. Et malgré un nombre d'incidents pas très grands, localisés, la journée, comme je vous dis, a été une journée calme. Ces incidents n'ont pas eu de grandes conséquences sur le processus électoral. Nous saluons la présence renforcée et la vigilance de la police nationale d'Haïti qui a lancé un signal fort contre la violence. La mission qui observera également la tabulation des résultats et la période du contentieux encourage les candidats et les partis politiques à poursuivre cet engagement de non-violence. Le Conseil électoral provisoire, qui a fait objet de fortes critiques après le premier tour des législatives, a su tirer des leçons de tous les éléments de dysfonctionnement du 9 août. Et il a su créer des conditions favorables à un scrutin paisible et ordonné. La présence encore excessive des mandataires, découlant directement du nombre de partis politiques et de candidats, demeure en tout cas problématique et impose dès lors une réflexion sur une rationalisation pour l'avenir. La faible participation observée confirme la tendance des derniers cycles électoraux et signale la présence, la persistance d'une distance, grande distance, entre l'électorat et ses représentants. Président délégation Parlement européen, Izaskun Bilbao, mandé autorité et parti politique qui travaillent dans tête collée, une manière pour renforcer l'état de droit et puis améliorer bon genre gouvernance dans le pays. Déclaration, la micro, Michel Alexis, à Wendy Henry. La délégation du Parlement salue la présence pour la première fois de mesures en faveur de la participation des femmes et encourage leur participation active à tous les niveaux de la vie politique du pays. Haïti se trouve dans un moment crucial de son histoire. La délégation du Parlement a passé un message clair aux autorités et aux candidats présidents. Après les élections, il faudra travailler pour trouver une large consensus avec tous les partis politiques et groupes sociaux afin de renforcer l'état des droits et d'améliorer la gouvernance du pays. Si Haïti décide d'entreprendre un processus de réforme constitutionnelle
qui puisse porter plus de stabilité au pays, y compris un cycle électoral simplifié, nous serons à vos côtés pour vous accompagner. L'Union européenne reste un partenaire privilégié d'Haïti. Pour cela, 420 millions d'euros ont été alloués pour les périodes 2014-2020 dans le cadre du 11e Fonds européen de développement. Le peuple haïtien peut compter sur l'Union européenne et son Parlement pour l'accompagner sur ses chemins de réforme. Par l'Américain, ce qui était observé l'élection 25 octobre, dans le rapport estimé qu'il y a 3 personnes dans le bureau de vote, qui donc a droit à mesure qui prend à niveau ça, d'après les responsables. De l'autre bord, l'organisation en quoi l'élection 25 octobre était bien passée en pays. Alicia Todd, c'est directrice générale par l'Américain, qui était dans le micro, Wesley Antoine, à qui vont essayer. Des mesures supplémentaires devraient être prises pour diminuer la congestion. Et plus devrait être fait pour mieux préparer le personnel des centres de vote à leurs tâches respectives. La mission applaudit le travail de la société civile et de milliers d'Haïtiens et Haïtiennes pour la promotion de l'éducation des électeurs et une participation inclusive. Ils ont fait preuve d'un engagement démocratique. La mission note également le nombre accru de femmes haïtiennes engagées dans les activités du CEP, de la société civile et des partis politiques. Elle note aussi que ces élections résulteront dans l'accès des femmes à un tiers des postes dans les gouvernements locaux. La mission souligne cependant que de grands défis reste à relever pour que le processus électoral haïtien devienne plus inclusif. Jean-Pierre Blackburn, membre par l'Américas, a souhaité gagner un leadership qui dégageait pour plus de femmes qu'il y a dans le Palme haïtien. Il a profité d'inviter les pays à communiquer et à avancement traitement pour ces verbales dans cette tabulation. En suivant déclaration. Le quota de genre a été soutenu pendant cette élection du 25 octobre, menant à l'élection de femmes à un tiers des postes au niveau municipal. Notre mission félicite les femmes qui se sont présentées comme candidates et ont été impliquées dans le processus électoral. Par contre, la baisse du nombre de femmes qui seront élues au Parlement demeure troublante. Cette situation ne peut s'améliorer qu'à l'aide d'un leadership politique qui éliminera l'intimidation et la violence politique, ainsi qu'avec la promotion des mesures proactives réduisant la marginalisation économique et politique des femmes. La mission encourage l'affichage le plus rapidement possible par le CEP sur son site Internet des images des procès-verbaux reçus et des données saisies. De plus, il serait utile que le CTV publie dès le début également sur le site Internet du CEP des rapports d'avancement périodiques afin d'informer le public sur le progrès de la réception et du traitement des procès-verbaux. D'autre part, la mission exhorte également les partis politiques à continuer de rester calmes et à exercer leur droit à observer le processus du CTV. RNDDH, CNO, CONAN, AXOFA, qui étaient formés en coalition pour observer l'élection le 25 octobre, estimé taux de participation arrivé dans 25%. Ensemble, l'institution SAIO expliqué qu'il y a plusieurs cas d'irrégularité et de fraude pendant la journée électorale. Là. Mais toutefois, ils reconnaissent que l'élection le 25 octobre était plus bien organisée par ces législatives 9 d'août passé. Réaction qui a représenté dans le micro Wesley Antoine et Jasmine Denis. C'est le taux de participation qui était avoisiné 25%, donc son taux qui est déjà faible, mais taux ça en réalité est encore plus faible parce que vous avez une question de rotation qui était faite par le Conseil électoral pour Isolant. Ça a fait qu'il y a des mandataires de partis politiques qui votaient plusieurs fois. Donc, taux a avoisiné 25%, mais en réalité, c'est moins de 25% puisque justement, il y a une question
de mandataires qui votaient deux fois. Par exemple, il y a deux partis politiques, lorsque le mandataire est dans le bureau, eh bien, rotation pas faite avec l'autre parti politique, mais c'est avec même parti politique ça qui voyait l'autre mandataire venir. Donc, ça, c'est un cas d'irrégularité vraiment grave et c'est important pour nous souligner. Sous question 24 mandataires ou des organisations d'observation électorale, donc UNADA. UNADA veut dire Unité nationale pour le développement appliqué. Ou joignez-vous qui est le COFE, qui est le centre d'observation de formation électorale. Ou joignez-vous LHACIM, qui est la Ligue haïtienne d'action civique et morale. Parti politique qui te recevoir Katio, yo dérivé joignez sur le marché. Et 4 sa yo te sur le marché, a pris 1500 goud comme ça, ou te capable de joindre 4 observateurs dans des partis politiques. Observateurs qui te déployé tout partout dans le pays, nous dérivé constater tout, bourrage d'une, l'ité paraît systématique dans divers raccoins dans le pays. Ensemble, organisation sa yo fait plusieurs recommandations par les KEPN. Parmi eux, il faut que les KEPN communiquent les raisons qui ont fait un procès verbal éclaté pendant la traité dans le centre de tabulation. Ville Saliza, c'est responsable du programme dans RNDDH, en suivi déclaration. Le scrutin du 25 octobre 2015 n'est pas capable de dire que c'est une réussite parce que l'a continué. C'est pour raison ça nous-mêmes. Nous faisons un ensemble de recommandations parce que nous souhaitons, dans la continuation, à ce que les résultats soient reflétés la réalité. Vote-là, le vote-là, choix vraiment, le peuple haïtien l'a fait. Donc, la journée du scrutin, c'est réussite. C'est une condition sécuritaire là. Mais le scrutin du 25, nous pas qu'on a dit réussi nous-mêmes. Donc, nous suivons et c'est pour raison ça, nous faisons ensemble recommandations. Ça, nous allons attendre. Oui, première recommandation qu'on a fait, on a demandé à ce que CEP a communiqué pour l'opinion publique. Ensemble, 4 d'accréditation ont été délivrées par l'organisme d'observation électorale. Deuxième recommandation, c'est pour CEP a partagé le protocole qui réglemente le fonctionnement sans tabulation, notamment ça qui vient pour avec traitement dossier. Troisième recommandation, c'est pour CEPA partager mode recrutement avocat vérificateur qui l'a pour traiter procès verbal dans cette tabulation. Quatrième recommandation, c'est pour CEPA communiquer procédure avec motif mise en quarantaine procès verbal. Processus contagieux a bien déroulé dans le centre tabulation d'après déclaration du directeur Centre Widmak Matador. Il y a 5 départements qui déjà gagné procès verbal qui arrivent dans le centre. Le directeur a demandé tout le monde rester calme parce que tout contagieux a fait dans la transparence. En suite déclaration dans le micro, Pierre le micro revanche avec Max Joseph. Nous sommes censés avancer, nous avons traité procès verbal. Nous commençons à recevoir depuis hier matin 5h. Et actuellement, là, nous avons des départements, nous recevons l'Ouest, Sud-Est, Nord, Nord-Est, Nord-Ouest. Et le reste des départements, d'après ça, ils apprennent nous, ils sont en route. Nous sommes censés recevoir une grande majorité après-midi ou bien demain. Moi, j'ai toute garantie, moi-même, son travail technique que cette tabulation a fait. Et Jean Noël Saint-Lan fonctionnait, nous fonctionnait par toute une chaîne de production. Et font faute là, c'est pas un bagage qui est facile pour nous en faire faute là. Okay? Nous avons un contrôle à la fois technologique et un contrôle capable de toute une équipe qui a supervisé le travail qu'a fait là. Non, pas aucun risque parce que dans cette tabulation là, personne n'a pas utilisé plume bleue. Tout le monde qui est dans là, s'il doit avoir une plume, dans il faut que son plume rouge. Nous avons un contrôle sur tout ça qui a rentré, sur le téléphone, mounio, etc. Pas aucun moyen et en général pour serveur balio, la majorité est dans une enveloppe transparente. Candidat pour poste président Rémi Haïti Jean Risseyan révélé quelques cas d'irrégularité qui étaient constatés pendant l'élection 25 octobre passé. Jean Risseyan a surtout évoqué manque de planification dans les affaires photos qui étaient louées sous 4 mandataires. Jean Risseyan est dans le micro Ludmia Marc à qui vont seguir. Ça qui passé 25 octobre là, très grave, et nous pouvons rejoindre nous pour nous qualifier. Il y a un processus électoral qui commençait très bien le 25 octobre. Le peuple a sorti certains côtés en masse à le voter.
Ils ont quitté le peuple à voter dans le calme. Et tout le monde a commencé bien content. Mais nous-mêmes, nous pas dupes. Parce que depuis que le CEP a été pris une série de dispositions, nous avons connu un bagage qui cachait derrière. Et nous t'attendons que la journée en finit pour nous faire un bilan. Dans le bagage qui cachait derrière. Un, dans la délivrance du mandat, nous avons le CEP a été fait une exigence pour que le mandat ait une photo sur eux. Alors que les gens qui ont le détenteur mandat, ont une obligation pour qu'ils aient 4 électorales, 4 identifications nationales, qui t'a suffi pour identifier les gens. Deuxième bagaille, tu as gagné un lot de cartes d'accréditation pour des observateurs qui t'ont circulé. Et nous, le CEP a accepté que les gens n'ont pas gagné sur le maillot. Bagaille qui était plus grave dans tout le processus, là, que nous dénonçons plusieurs fois. Nous attirons l'attention plusieurs fois, tant dans la presse, dans les correspondances, que dans la rencontre avec le CEP, nous dit cette affaire de rotation dans le mandataire, c'est un coup qu'il a préparé pour le peuple. Candidat pour post-président Steven Benoit fait qu'on n'ait pas de mandataire dans tout bureau vote pendant la journée électorale 25 octobre qui se passe. Sous plus passé 13 000 mandats, c'est seulement environ 6 000 qui te joignent. Dans ce sens, le sénateur Longé Douetli sous un ensemble parti politique qui, d'après ça, dit, a voulu détourner votre peuple. L'été dans le micro, Pierre Lunique Revenge avec Max Joseph. Dans la soirée, que vous remettez mes mandats sous 13 725 mandats. Nous sommes supposés gagner, nous recevons seulement 6766 mandats, un petit peu moins que la moitié. Donc nous-mêmes, nous écrivons une deuxième lettre à M. Opon. Nous disons, un, bon complot pour ne pas gagner mandat, et nous trouvons, et même nous allons nous battre jeudi soir, toute journée vendredi, moun après nous pour dire si même ça passe là, à pas mandat, à vendre. Dans la zone métropolitaine. Donc, le mandat m'a joué 6 000 infractions. Il a été gagné en vente à travers un pile parti politique. Et nous avons dit là tout, pendant toute journée vendredi, raqueteur a vint là à offrir nous mandat parti politique. Raqueteur a vint là à offrir nous 2, 3, 4 000 mandats. Ça nous est observateur électoral. Donc, nous-mêmes, nous avons connu un gros scandale qui va arriver dimanche. Et, pure coïncidence, dimanche tout, aux abords de plus grand centre de vote dans Pétionville, dans Port-au-Prince, Delma, dans Tabarnak, dans Kafou, t'es gemoun avec mandat, toute qualité parti politique, cap offri potentiel électeur, 1000 gouttes à un mandat pour y aller voter. N'a pas continué avec journal lan. Responsable parti politique Famille Lavalasio souhaité au commandement PNH lan prend mesi contre tout policier qui t'a accepté travail pour quelques candidats pour l'élection. Hein? De l'autre côté, avocat patient Maître Gervais Charles, quoi c'est celle qui a payé qui doit bailler le résultat de vote là. Lité dans le micro, Ludmila Mark avec Samus David François. Le système électoral, que procès verbal, c'est pas oublié. C'est pour qu'être ça ou un mandataire. Donc, si procès verbal, moi, vient là même, je peux dire ça que le procès verbal, moi, mais c'est pas résultat élection, moi. C'est résultat élection, c'est KEPA qui autorise ces résultats élection. Mais ça, c'est le procès verbal. Surtout, si y a dit que c'est l'autre bagaille qui fait, il y a un droit pour me défendre tête, dit, mais ça, c'est le procès verbal. Il y a un procès verbal qui fait au niveau de tabac. Côté policier mettez tout mandataire c'est deux yo l'ensemble de vote pour yo al fait ça c'est ça yo te voyé au faire. Donc ce bail qui grave oui c'est que c'est l'organe la police qui l'a pour mettre la paix c'est durant élection et que c'est lui-même qui bras armé qui a fait fraude oui ce bail qui grave. Et je crois que le chef de la police a dû adresser la question. Je n'ai pas gain en pile espoir que la fait. Parce que l'élection août là n'est pas fait. C'est non plus. Quoique monte ouais, tout ça qui est passé, tout tiré qui est fait. L'autre nouvelle, dans le journal Lansoya, le ministre de l'économie Wilson Lalo présenté jeudi un programme qui relie Agro Business. Il y a 1,2 milliard de gouttes disponibles pour financer le projet.
Programme ça a visé courir agriculteur pendant la bail si pour active business ak moyenne entreprise. C'est ministre Lalo qui était venu avec l'idée dans objectif pour valoriser et puis augmenter production dans pays d'après ça fait connait. Kounyan page météorologique journal avec Slen Séjour. En suivre. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le bulletin météo pour Asoya, qui est en condition météorologique là dans le Caraïbe là et sous Atlantique là. Nous gagnons un creux en altitude, c'est lui-même qui a provoqué un temps instable dans le pays. Il a commencé à éloigner tout doucement du pays d'Haïti. Il est retrouvé actuellement dans la partie l'Est République Dominicaine. Il a quitté l'humidité d'air, l'humidité s'ajoute avec le réchauffement qui a gagné pendant la journée. Il a provoqué l'appui avec l'orage dans plusieurs endroits dans le pays d'Haïti pour Asoya. Nous avons fait un petit coup d'œil dans le pays là. France, il y a une zone de dépression qui gagne en creux là-dedans. Il a approché deux pays, la France, à Soya. Il a provoqué l'appui avec l'orage, avec un rafale vent de 70 km/h dans plusieurs villes dans le pays, la France. Nous avons retourné dans le pays nous, pour nous regarder qui ont des conditions météorologiques là, dans plusieurs villes dans le pays d'Haïti. Nous avons commencé tout d'abord avec Port-au-Prince, température de 23 degrés. Il a fait bon. Nous avons un ciel nuageux. Il est possible pour nous gagner l'appui avec l'orage dans plusieurs zones en dans Port-au-Prince. Nous avons une légère brise qui a pris direction sud-est à une vitesse 6 km/h. Au Cap-Haïtien, température est 25 degrés. La fait moins bon. Nous avons un ciel plus ou moins clair, chaud et humide. Il est possible pour nous gagner l'appui avec l'orage. Nous avons un vent calme qui a pris direction sud-sud-est à une vitesse 6 km/h. Au Caire, température est 26 degrés. La fait moins bon. Nous avons un ciel éclairci, très chaud et humide. Il est possible pour nous gagner l'appui avec l'orage dans quelques zones en dans au Caire. Nous avons une petite brise qui prend direction l'est avec une vitesse 17 km/h. Jacques Mel, température est 24 degrés. La fait frais. Nous avons un ciel peu nuageux. Il est possible pour nous gagner l'appui avec l'orage dans quelques zones en dans Jacques Mel. Nous avons une légère brise qui prend direction l'est-sud-est avec une vitesse 9 km/h. Jérémy, température est 24 degrés. La fait frais. Nous avons un ciel peu nuageux. Il est possible pour nous gagner l'appui avec l'orage. Nous avons un vent calme qui prend direction l'est avec une vitesse 6 km/h. Gonaïve, température est 21 degrés. La fait bon. Nous avons un ciel nuageux. Il est possible pour nous gagner l'appui avec l'orage de quelques zones en dans Gonaïve. Nous avons une très légère brise qui prend direction l'est avec une vitesse 4 km/h. Fort Liberté, température est 20 degrés. La fait bon. Nous avons un ciel nuageux. Il est possible pour nous gagner l'appui avec l'orage. Nous avons un vent très calme qui prend direction sud-est avec une vitesse 6 km/h. Inche, température est 17 degrés. La fait très très bon. Nous avons un ciel nuageux. Il est possible pour nous gagner l'appui avec l'orage dans quelques zones en dans Inche. Nous avons un vent très calme qui prend direction l'est avec une vitesse 4 km/h. Port de Paix, température 26 degrés. La fait bon. Nous avons un ciel éclairci, très chaud et humide. Nous avons un possible pour gagner l'appui avec l'orage. Nous avons un vent calme qui prend direction sud-est avec une vitesse 11 km/h. Miragouane, température 25 degrés. La fait moins bon. Nous avons un ciel plus ou moins clair, chaud et humide. Il est possible pour nous gagner l'appui avec l'orage. Nous avons une légère brise qui prend direction sud-est avec une vitesse 4 km/h. Nous avons dit tout capitaine bateau qui est dans la zone côtière nord et la zone côtière sud que 20 secteurs est là, 10 à 15 nœuds. Ça veut dire qu'il y a un la mer agité. Nous avons dit pour prendre un pile précaution. Et nous avons dit tout capitaine bateau qui est dans le golfe de la Gonave que hauteur vague à 1 à 2 pieds, ça veut dire qu'il y a un bel lendemain. Nous avons tout profité pour aller pêcher à Soya. Matin, le soleil a levé à 6h48, il est couché à 6h19. Ça qui fait que nous avons gagné 691 minutes d'ensoleillement. Le proverbe du jour. Parler français, pas vous dire l'esprit pour ça. Merci tout le monde qui tape sur le bulletin météo pour jeudi, mardi 27 octobre 2015. Nous souhaitons passer une agréable soirée sur Télésignal. Merci en pile Slen, je n'ai arrivé dans Boutli avant d'aller rappel titio. Plusieurs organisations nationales qui ont observé l'élection le 25 octobre, parmi eux RNDDH et CONAN, reconnaissent l'élection yo été plus bien organisée passé législative 9 d'août, même si tu as quelques cas irrégularités pendant la journée. Mission Observation électorale Union européenne a salué l'effort KPN et PNH dans le cadre de journée électorale. D'après mission 1, c'était une journée électorale calme et puis bien organisée par rapport à 9 d'août passé.
Cette tabulation a déjà recevoir procès verbal 5 départements. Processus contagieux a bien déroulé. Directeur Santlan Widmark Matador m'a dit tout le monde rester calme parce qu'il y a compté bulletin yo dans transparence. Ministre économie Wilson Lalo présente jeudi un programme qui relie agro-business là. 1,2 milliard gourdes disponibles pour financer projet ça. Programme ça visé corée agriculture. Merci tout le monde qui t'a suivi nous. N'a pas qu'à se rendez-vous demain pour une autre édition nouvelle en créole. C'était Le Signal. Restez branchés.